considérons l'accord de Paris comme étant d'abord une chance pour l'humanité et l'humanité tout entière. C'est un accord qui permet de limiter la hausse de la température mondiale. Le changement climatique a un effet négatif sur la croissance économique dans notre pays et a un effet négatif sur le développement économique du Mali. On sait les conséquences de ces changements climatiques sur la croissance économique même mondiale et les pays africains où on a une fenêtre d'opportunité qui pourrait nous permettre de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour un pays dont la richesse nationale dépend à 33% du secteur de l'agriculture, ça veut dire moins de sécheresse, moins d'inondations, équivaut de facto à plus de production et de production en matière agricole, a un impact certain et évident sur la croissance économique et in fine sur le développement durable. L'agenda pour le développement durable est un programme très ambitieux qui comprend un ensemble de 17 objectifs pour mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice et faire face au changement climatique d'ici à 2030. There is a clear need for business cases that will attract investment. The Malian government has organized a sector-wide investment plan with the support of the NDC partnership to establish the National Committee on NDC Implementation. 184 pays ont quand même envoyé leur contribution déterminée nationale et le Mali, à l'instar des autres, l'a fait. Nous avons une contribution déterminée nationale que nous avons donc validée. Nous avons commencé à actualiser d'ailleurs depuis 2015. Et donc nous sommes dans la mise en œuvre de la CDN au niveau national. On est dans un cadre multisectoriel et donc les départements techniques doivent travailler ensemble, les institutions, etc. Donc la société civile, tout le monde doit se sentir impliqué par la mise en œuvre de la CDN. Les contraintes, elles sont là, mais je pense que nous avons mis en place des mécanismes qui vont rapidement nous aider à lever ces obstacles. Entre autres, nous avons maintenant un arrêté qui permet de mettre en place, qui a permis de mettre en place un comité, une commission qui va travailler. Elle est composée des représentants des services techniques, des représentants de la société civile, des institutions, le secteur privé, tout le monde va travailler ensemble pour mettre en œuvre un plan d'action, le suivre et pour que le Mali soit avec de bons résultats dans les mois à venir. De plus en plus, nous sommes en train d'aller vers une énergie propre. Je pense que ce dont nous sommes, je pense, le plus fiers ici au Mali, c'est déjà d'avoir démontré toute l'importance que nous accordons à cette question du changement climatique. Et cela à travers son inscription dans notre cadre de relance économique pour le développement durable.